Je suis heureuse de vous accueillir ici à la Maison des Centraliens. Donc, quand vous voulez venir nous voir, nous sommes au 5e et 6e étage. Nous faisons plein de choses pour vous. Nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous insérer dans un réseau de centraliens. On vous parlera beaucoup de réseau ce soir. C'est une communauté superbe. C'est juste une mixité et juste une communauté dans laquelle vous rentrez, mais en fait dont la portée augmente au fil du temps et est vraiment importante au cours de sa carrière. On espère que vous allez pouvoir maintenir les liens d'amitié que vous avez forgés sur le campus au sein de vos promotions et on espère vraiment que vous pourrez maintenir ces liens d'amitié et profiter au mieux de votre réseau. Voilà, bienvenue ce soir dans l'association. L'association, elle est multigénérationnelle et donc vous êtes bienvenue ce soir pour nous rejoindre. Merci. L'image, alors une très bonne image, même si je ne connais pas l'association, j'allais dire dans les détails, des gens très ouverts. En fait, on sent qu'on fait partie d'une famille, donc c'est cool. On est sollicité et on se dit, ah bah, je suis pas tout seul lâché à la sortie de l'école en fait. Je sors de l'école, mais je suis encore dedans et ça, c'est sympa. J'espère qu'elle va nous accompagner dans toute notre vie professionnelle en tant que centralien. C'est un partage de connaissances entre des gens qui ont vécu ce que nous, on va vivre, donc ça peut que nous aider. Cet événement, c'est de rencontrer les jeunes promotions et de leur présenter l'activité de l'association et de voir s'ils peuvent nous rejoindre, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. C'est de susciter des nouvelles vocations pour venir adhérer au groupement de l'énergie et plus personnellement pour avoir un peu les idées des plus jeunes diplômés que moi, parce que je commence à vieillir, mine de rien. Je monte une entreprise donc pour le réseau, pour avoir des gens avec qui parler, échanger. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir des anciens à qui poser des questions. Alors j'attends l'association de pouvoir rester en contact avec tous mes camarades de ma promotion et des autres promotions aussi, des plus jeunes, des plus âgés.